Bonjour, voilà. Alors, on va prendre la couleur là et la couleur là. Hein. Alors, j'ai déjà utilisé en fait la couleur là. Je m'en mets déjà là. Vous verrez. Là, j'applique ici, mais en diagonale de la couleur or. On peut prendre une autre couleur. Hein. Mais alors attention, bien faire son diagonale, surtout. Parce qu'il doit partir aussi en diagonale là aussi. Hein. D'accord? L'autre pareil. Hein. Faut bien faire attention. Hein. Et si vous n'arrivez pas à faire votre diagonale, vous prenez un coton-tige, hein, et vous faites votre diagonale. Hein. Voilà, c'est aussi une petite astuce. Hein. Ensuite, vous prenez en fait votre blanc ici, hein, et on vient écraser. On a mauvaise mine. Alors, on prend son blanc ici. Et on va venir ici flouter. Avec le blush. On va en mettre au niveau des lèvres. Et ici, pour la zone d'ombre du menton. Voilà. Alors, pour le blush, hein, toujours bah, prendre une jolie couleur. Bon, il est vrai que cette année, la tendance, c'est quand même de faire sortir ses pommettes. Bon, bah, moi, j'aurais tendance à les faire creuser. Bon, si vous voulez, vous pouvez en rajouter là aussi. Non, c'est pas mon pinceau là. Excusez-moi. Vous pouvez rajouter là du blanc pour creuser le... Ici. Et agrandir votre nez. Et vous venez en fait flouter tout ça. Voilà, petite astuce aussi. Maintenant, mon rouge à lèvres que je vais venir appliquer. Voilà. Celui-là, je l'adore. On a toujours une préférence, hein. Bon, je vais prendre... mascara, je trouve plus celui d'Yves Rocher, mais franchement je l'aime bien celui d'Yves Rocher. Voilà. Voilà, ben c'est fini. Ben sur ça, bisous. Au revoir.